les amis, aujourd'hui je vais vous présenter notre lire de 200 watts. Alors ça c'est une lire que notre fournisseur qui fabrique et puis ils ont de bons prix parce qu'ils fabriquent beaucoup en ce moment et puis c'est très à la mode, il y a beaucoup de commandes, beaucoup de clients qui aiment cette lire, marche bien quoi. Alors nous aujourd'hui je vais vous présenter cette lire pour voir comment elle fonctionne. Alors il y a deux modes de canon, un c'est 16 canons, après l'autre c'est 20 canons. Alors maintenant on est sur canons. 16 canons, oui. Donc d'abord moi j'ai déjà connecté le courant, le thermix, voilà, j'ai déjà allumé la lire. Et puis j'ai allumé la console. J'utilise la petite console TMX182, ça suffit pour ça. Voilà, sur cette canot. Ok, maintenant je vous montre. Premier canot c'est panne, comme tous les restes de lire. Là je ne vois rien. Là c'est panne. Après deuxième c'est panne fine. Vous avez déjà troisième comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est tire 4, tire fine, pas besoin de montrer. 5. 5 c'est quoi? 5 c'est la vitesse. 6 c'est stop, vous voyez, là c'est un stop. 7 c'est le dimmer, c'est moins lumineux, à lumineux, très lumineux, après on baisse la lumière et ça. Alors 7 c'est dimmer, 8 c'est quoi? C'est la roue de couleur. Change de couleur, il y a plein de jolies couleurs. Là, vert, violet, jaune, rouge. Alors, maintenant, deuxième page. Deuxième page, le canon 9. Deuxième canon, c'est le coco, le roux de coco fixe. Canon 10, c'est la roue de coco tourne. C'est ça. Tourne et plus vert. Là, il y a des couleurs. Des couleurs. Alors, je suis choisi ce coco. J'aime bien. Alors maintenant, 11. Panneau 11, c'est le coupeau rotatif. Ça veut dire le coupeau qui tourne. Tourne, tourne, tourne. Voilà. Alors, 12. Panneau 12, c'est prisme. C'est le prisme. C'est la prisme. Après ça, canot 13, c'est prisme tourne. Oh là, c'est très fort. Je tourne plus vite, moins vite. Régler, aïe, ça c'est tout. Tourne moins vite. Je tourne ma tête. Thank you.
Après ça, je peux fermer. Là, je ferme ça. Et après, je fais ça pour moi. Je pose poste. Combien? Canon 14. C'est le poste. Là, poste, comme ça. Je ferme. 15. Canon 15. C'est le zoom. Là, regardez le zoom. Et puis, après, on va rajouter l'effet de prism. Après, on peut faire le zoom aussi. Voilà. Là, c'est à. C'est quoi ça? Ça s'appelle focus là. Plus. Ah, ça c'est très clair. Focus. Oh. Wow. Ah, ça c'est joli, hein? Comme des 3D, comme des chapeaux chinois. Hein? Là. Oh. Ça c'est focus. Voilà, si on veut acheter des couleurs, c'est sur le panneau 8, là on peut changer de couleur. Violet, le chapeau chinois, violet, rouge, jaune, bleu, rouge, tout ce que vous voulez. Là, 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 là. Ah, c'est cool. Alors, ça, allez. Ça. Ça tourne. Ça c'est bien. Ça c'est quoi? J'ai oublié. Ah, ça c'est prism, ferme prism. Coco tourne. Je peux tourner le chargeur. Coco fixe. Change de couleur, ou de couleur. Alors, c'est. Il meurt. Voilà. Il meurt. Si. Trompe. Voilà, c'est pas compliqué, c'est très simple. Là, c'est. Canot premier, le premier canot, canot 1, canot 3, c'est tilleur. 4, c'est la vitesse, changement de vitesse de panne tilette, la vitesse plus vite, tourne vite, tourne moins vite. Là, vous savez, déjà, dans le 7, c'est. Moi, j'ai oublié. Dans le 7, c'est quoi? Ah, oh, ok. Dans le 7, c'est dimmer. Ferme éteint la lumière et ajoute de plus en plus de lumière, plus lumineuse. Ça. Huître, c'est quoi? Huître, c'est couleur, changer de couleur. Il y a plein de couleurs. Si vous voulez changer de couleur, c'est dans les canaux de huître. Alors, 9. 9, c'est un canot de coco fixe. Il y a plein de coco dedans, changer de coco. C'est coco fixe. 10, c'est coco en vert. Ça peut. 11, c'est. Ça s'appelle coco rotatif. C'est-à-dire, chaque coco dedans, il peut tourner comme ça. 11. 12. 12, c'est quoi? J'ai oublié. 15 à 12, 12 c'est le prisme. Il y a 3 facettes. 3. De toute façon, ça veut dire qu'il y a un coco qui devient 3. Comme ça. Euh, 12.
13, c'est le prisme rotatif, c'est-à-dire R, d'abord c'est R cubo, devient 3 avec le prisme, après ce gamma 13, les 3 prismes, ils tournent en rond. Et puis vous pouvez réguler la vitesse, tourner en rond, plus vite, moins vite, comme ça. Il vaut mieux moins vite, sinon ça fait tourner la tête. 14, c'est le first, vous savez, first c'est... Voilà, pas besoin d'écrire. 15, comme 15, c'est le zoom. Zoom, un petit coupe devient très très grand. Ou avec le zoom, le prisme, il y a trois coupes d'abord petit, après devient très très grand. 16, c'est focus. Focus, vous savez, régler le focus, régler le coupe. Flou, après régler ça, le coupeau devient clair, très clair, joli. Voilà, après vous pouvez ajouter la couleur sur le coupeau. C'est bon, je sais pas. Alors, c'est comme ça. C'est pas compliqué de façon, c'est très simple, vous savez, vous êtes des professionnels, mais vous n'avez pas acheté ce livre, juste je parle comme ça, vous prenez un petit peu de canaux, qu'est-ce que y a dedans dans ce livre, c'est tout en fait, tout ce que j'ai entendu que vous savez déjà ou quoi, et le focus comme les zooms, tout ça, vous savez déjà là, c'est sûr. Voilà, j'espère que ça va vous servir un petit peu, ça va vous aider, je sais pas, ça va vous aider, je sais pas, mais ça va vous être utile. Attention. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour vous abonner à ma chaîne sur YouTube. Alors, stop maintenant, exercice pratique. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très très bientôt.